Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est mardi. La petite a voulu des cornflakes, donc je lui ai donné ça. Des Cheerios comme ça. Voilà, d'habitude elle a ses cornflakes de la marque Nestlé. Mais bon là j'en ai plus et ça a aucun goût ces machins. C'est, vous savez, des soufflés. Mais bon, voilà, de toute façon là, elle en mange qu'une... une poignée, elle est contente. Ça croustille. Elle est trop contente. Hein. Avant, à part son biberon, elle voulait rien. Donc, mais maintenant, elle me réclame. Alors souvent, moi, je mange des petites madeleines et elle veut une madeleine. Moi, je me sois enfin pour boire mon café au lait. J'ai envoyé une machine, j'ai passé l'aspirateur. Et puis, bah, il fait moche. Hein. Il a plu toute la nuit, je pense. Parce que c'est bien mouillé dehors. Donc moi je vais manger une petite, c'est hyper gros mais bon, non, c'est très fin. Un petit suisse au chocolat comme ça que j'ai fait hier. Très très bonne recette, franchement une très bonne surprise avec le monsieur cuisine. Parce que le monsieur cuisine à chaque fois, je suis pas très emballée par les recettes. Je les remanie toujours un peu, j'enlève du beurre, j'enlève du sucre et tout. Mais là franchement, et puis la recette de la brioche... c'est nickel, c'est... pourtant je les ai toutes faites, hein, les brioches sur le Monsieur Cuisine, toutes les recettes, parce qu'il y en a plusieurs. Et là, c'est la recette de la brioche pour les Suisses au chocolat. Eh ben, je garderai cette recette-là, je ferai toujours la base brioche de la recette Suisse au chocolat pour faire une brioche, quoi. Et je sens que ça va être vachement meilleur. Par contre, elle est très molle et très collante, la pâte. Mais c'est pour ça que c'est bon, c'est pour ça que c'est filant, que c'est alvéolé et tout, voilà, c'est pour ça. Mais je pense que je mettrai, allez, il n'y a que 100 g de beurre hein, dans cette brioche là, donc franchement c'est pas beaucoup. Peut-être je mettrai 80 g de beurre pour faire une grosse brioche. Je suis désolée, j'ai plus de voix. Avec la pluie là, ça a ramené tous les pollens en fait. Tu veux montrer que t'as tout fini? Bon, voilà. Vous voyez qu'elle a tout fini. Et je pense que je vais faire un petit... si je le dis maintenant... un petit game avec elle. Voilà. Elle dit pardon au chien pour passer. Tu t'es poussée, Chamsa? Non, même pas, il se pousse. Pousse-toi avec tes grosses patouches. Ouais. Oui. Donc, on va jouer... au loto des animaux, hein, parce que voilà, on va faire ça. Donc je lui ai fait un œuf dur, des courgettes et des brocolis. Qu'est-ce qu'on dit? Bonne abonna. Bravo. Je vais aller chercher un chouchou. Je vais lui mettre un chouchou parce qu'elle a la frange dans les yeux. Elle est trop grande maintenant sa frange. Oui, je vais aller te le chercher. Je l'ai mise au dodo. Le pleure, hein. De toute façon, normal. Ah, je vais pas fermer la fenêtre. Qui c'est la plus belle, c'est... Et on a fait une petite activité. Voilà. De la peinture gonflante. Voilà. Donc ça c'est bien. Bah, maintenant il va falloir que je range mon bazar. Hein. Notre bazar du coup. Et j'essaie de garder toutes ces productions. Mais c'est vrai que c'est difficile. En plus, je voudrais acheter une boîte parce que dans une pochette, même ça, ça va être tout écrabouillé. Je vais voir. Bon, il faut que je range. Allez, je range.
Bon, ben là j'ai fini de travailler sur l'ordi. Je vais vous montrer comment je prépare mes fleurs pour les conserver au maximum. Et voilà, bon, il faut que je rebouche tout ça. Mais voilà, en fait le but c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de feuilles qui va dans l'eau. Parce que sinon en fait l'eau va pourrir. La feuille va donner un mauvais truc à la fleur et voilà. Bon, bah du coup le soleil est revenu. Donc bah, on va goûter dehors et je vais tendre le linge, je vais en profiter. Bon. Bah l'histoire des abeilles est revenue. Est revenue, mais là elle est revenue dans notre jardin. Ils se sont mis sur l'acacia. Donc on a un super essaim dans l'arbre. Je viens d'appeler un apiculteur qui devrait venir le chercher. Je pense que je vais demander à Sébastien qui vous montre. Donc l'essaim il est là. Ouais. On voit pas grand chose, dis donc. Là. Je sais pas si on peut zoomer. Bon, ben on a appelé l'apiculteur, il est venu. Il nous a dit qu'il était petit, mais moi je trouve ça énorme. C'est à la taille. Bah, de toute façon, vous l'auriez vu, hein, je pense. Il a dit que si jeudi ça y était encore, on le rappelle et il viendra le chercher. Donc, on va voir. L'homme est en train de poser la moustiquaire. Lui, il a pas peur, lui. Moi je vais plus dehors, c'est fini. Les chiens ils ont qu'à se retenir jusqu'à jeudi, ils sortent pas. Non, j'ai trop peur. Bon, du coup, je me suis renseignée un petit peu là. Je me suis fait une mixture en diffusion dans la maison. Donc j'ai mis huile essentielle de géranium, de clou de girofle et de citron parce que j'avais pas d'huile essentielle de citronnelle. Normalement, c'est des huiles essentielles qui repoussent les insectes. Et j'en ai fait un litre que j'ai balancé au pied de l'acacia. Dans l'eau, quoi, dans de l'eau chaude, j'ai mis mes huiles essentielles et j'ai balancé comme ça au pied de l'acacia. Espérant qu'elles partent parce que franchement, j'ai pas du tout envie qu'elles restent. Hein, elles peuvent aller faire leur vie un peu plus loin, mais pas dans mon jardin. Voili, voilà. Donc je suis en train de voir que sur mon dernier, je suis encore très mal coiffée, mais bon, vous avez l'habitude. Sur mon dernier retour de course, vous avez bien aimé qu'il y ait sorti ce matin. Dites-moi en commentaire si les retours de course, ça vous plaît bien le matin. Apparemment, oui. Mais dites-moi à quelle heure vous aimeriez et tout. Donc de toute façon, je vous remercie en fin de vidéo. Donc restez jusqu'à la fin. Je remercierai les abonnés. La petite est très sage là. Croisons les doigts. Elle est en train de s'amuser avec ses Legos sur la table de la salle à manger. Je la laisse. Par contre, son père lui a coincé les doigts dans la porte. Bon, pas trop fort, hein, juste le majeur ici. Frayeur comme ça, je pourrais m'en passer, quoi. Oui, encore heureux que je travaille avec les enfants. Donc. Des bobos, des trucs, des muches, j'en ai vu depuis très longtemps. Donc ça va, je sais
Je sais gérer. Moi, il fait très moche. On dirait que c'est 20h, mais voilà, c'est pas grave. Il faut que je ferme le volet là. Et je vais faire une salade de pâtes. Je viens de voir un message, donc je suis désolée, j'ai une tête de déterré. Mais en fait, si vous voulez que je vous cite, il faut mettre vos abonnements en public parce que sinon, je vois pas. Moi, je vois pas, j'ai une liste en fait. J'ai une liste et il s'est marqué, hein, seuls les abonnés qui partagent leur abonnement publiquement sont affichés. Et ça, moi, je le savais pas parce que vu qu'on a changé de trucs là, on est sur le Creator Studio maintenant et c'est pas marqué en haut, l'interface de YouTube d'avant le marque en haut, hein, que les abonnés qui partagent leur abonnement publiquement peuvent être affichés et donc moi je peux le lire et vous remercier. Voilà, donc sinon je peux pas. Et donc je remercie Sabine et Corinne, parce que je pense que Corinne je ne sais pas si tu es abonnée Corinne, mais si tu l'es, ben merci. Sinon, merci quand même pour tes nombreux commentaires. Voilà. Bon, ben, comme tous les soirs depuis, on va clôturer le vlog ici. Donc on a mangé la salade de pâtes que vous avez sûrement vue. Alors aujourd'hui, je remercie Gisèle de s'être abonnée. Je remercie Vanessa. Merci. Muriel, merci. Robin, merci. Merci à vous de vous être abonné et merci à mes abonnés fidèles qui regardent les vidéos aussi tout le temps. N'hésitez pas à commenter et à laisser un pouce. Je vous dis à demain. Ciao.